Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, bienvenue à vous sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la automate du démon, comme je l'ai qualifié. En fait, c'est la automate générateur de vapeur qui est dans la boutique. Franchement, elle est excellente. Franchement, bon, ça fait un moment qu'elle est sortie. C'est pas nouveau, mais franchement, elle est excellente. Vous allez voir ça dans le gameplay. Franchement, j'avais vu des gars, en fait, c'est parce que j'ai joué contre des gars et je voyais un mec, je voyais des lasers rouges et tout ça. Et quand j'explosais, ça faisait plein de lumière. Et tout ça, je me suis dit, putain, la vache. Du coup, j'ai ramassé son arme, j'ai vu ça, puis je me suis dit, ah, franchement, elle est très, très stylée. Faut vraiment que j'en fasse une vidéo et que je vous la montre. Donc, du coup, j'ai été dans la boutique, mode pigeon activé, hein, comme d'habitude. J'ai été dans la boutique et puis évidemment, je l'ai acheté. Je vous ai fait un petit gameplay avec. Je l'ai laissé complètement stock. J'ai juste changé un petit accessoire. Et puis on va aller voir ça, parce que franchement, cette classe, elle est excellente, elle est validée. Franchement, la Call of, ils nous ont fait un truc excellent. Donc franchement, n'hésitez pas. En attendant, si jamais t'es pas abonné, mon ami, n'hésite pas à t'abonner. Et mettre aussi le petit pouce bleu, franchement, qui fait plaisir, ça récompense, ça aide un petit peu au référencement de la chaîne. Donc ça fait plaisir, merci à vous, merci à tous ceux qui penseront à le faire. Et puis, vous savez quoi, on va aller voir directement le gameplay, puis à la fin, on se retrouve pour voir la classe. Allez, c'est parti. Ok les amis, donc on est parti sur Decoy. Franchement, j'aime bien cette map, ça va. On est parti en mêlée générale, évidemment je prends la automate du démon. Et regardez-moi ça, franchement, elle est trop stylée. Elle est vraiment trop stylée. Bon allez, on va essayer de gagner cette petite partie. Franchement, ça ferait très plaisir. Bon, pour l'instant on voit personne. Putain, il se cache où? Tu sais quoi, on va aller voir au fond, parce qu'en général il y a toujours des mecs qui apparaissent au fond. Ça a tiré derrière moi. En général, il y a toujours un mec qui apparaît par là. Non. Alors, c'est bizarre. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. Attends, toi je t'ai vu, Hop. Allez, ça dégage. Allez, premier kill. Ça fait plaisir. Et vous avez vu les petits lasers, franchement, c'est excellent. Je trouve ça trop excellent. J'aime bien le bruit en plus, ça fait piou. C'est génial. Bon, allez, on voit pas grand monde. Attends, toi je te vois. Voilà, au moins. Bah, tu vas mourir, oui. Bon, allez, on va retourner par là. Et ouais, ça réapparaît derrière, c'est excellent. Génial. Ah, là, j'ai vu un petit point rouge aussi. Allez. Oh, dommage. Là j'ai bégayé. Ça tire. Ah, attends, on va aller te chercher. Viens là. T'en vas pas. Bon, c'est pas grave. Toi, tu vas prendre pour lui. Merci. Ok. Eh, franchement, vous avez vu ça, ces petits lasers là, comment ça fait plaisir. Je suis un vrai pigeon de ce côté-là. Franchement, dès qu'il y a des armes comme ça, j'aime bien ça. D'ailleurs, j'en ai vu une autre qui est pas encore sortie dans la boutique. Enfin, elle est pas encore sortie dans la boutique, mais elle est sortie pour les Américains. Viens là. Hop. Viens là. Tu vas mourir. C'est pas vrai ça. Allez. Wow, c'est bizarre ça. Il a la même arme que moi lui. Ouh, à mon avis, il l'a ramassé. Attends, toi, je te vois au fond. Allez, ça dégage. Ouais, c'est bizarre le mec là. À mon avis, il avait dû ramasser mon arme. J'ai pas vu quelqu'un là. Il y avait pas quelqu'un? Non, j'avais. Ça tire. Il se cache où? Bon, attends, on va rester dans le coin parce qu'en général, il y a toujours des mecs qui réapparaissent au fond. Tiens. Toi, je t'ai vu. Merci. Hop, allez, ça dégage. Bon, et c'est ça qui est bien, c'est qu'avec les endroits de spawn, et voilà, c'est excellent. Là, et quand vous connaissez un petit peu les endroits de réapparition des spawns, franchement, c'est excellent. Il y a personne au fond. En général, il y a toujours un mec qui réapparaît aussi derrière au fond là. Hop, non. Mais allez, dégage. Mais non, putain, putain de tonneau, je pouvais pas me barrer là. Fais chier. Attends, toi, je te vois. Ouais, tu m'as vu aussi, ouais. Bon, c'est pas grave. Tu m'as vu, on s'est vu. Putain, mais tu vas mourir, toi. Attends, on va passer de l'autre côté. Hop, allez. Wouh. Je vais vous parler aussi, un de ces quatre. Je ferai une petite vidéo sur ma MP40, là. Comme ça, toute bleue, je trouve magnifique. Mais bon, là, pour l'instant, on est avec l'automate. Ouais, il y a des fois, c'est... Je vous le dis. Attends, je te vois, ok. Je vous le dis, les gars, quand vous êtes en panique, c'est plus rapide. Attends, viens là. Ouh. Pour l'instant, on est bien, hein, on est pas mal, hein. Allez, viens là. Ouh. Allez, ça dégage. Et oui, mesdames et messieurs. Ouais, comme je disais, franchement, c'est plus rapide de changer d'arme que de recharger. Hein, donc, n'hésitez pas. Attends, toi, je t'ai vu. Ouh. Ça dégage. Eh bah, dis donc, c'est bien. On a le toutou. Ça fait plaisir. Alors. Allez. Toi, le toutou, tu vas me protéger. Tu vas me faire 2-3 kills. Ça va être très plaisant. On voit personne. Aïe, il était où lui? Putain, je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu. Y a personne qui rappare au fond. Si, bah si. Ah, bon, c'est pas grave. Bon, écoute, pour l'instant, ça va, on a le double de points. Non, ça c'est mon chien. On a le double de points rapport au premier. Attends, viens ici. Attends, prendre un petit raccourci. Hop, là, tu l'as vu. On l'a vu, tout le monde l'a vu. Hop, putain, on me l'a piqué. Voilà. Attends.
Ah putain, je déteste ça, les mecs qui campent comme ça, franchement. Mais comment tu peux penser gagner un mêlée général quand tu campes? C'est pas possible. C'est quoi? On va mettre ça ici, comme ça, s'il y a jamais, il y a des mecs qui réapparaissent au spawn. Oh. Ouh! Ah, mais on s'est auto-tué. D'accord. Hop. Allez, ça dégage. Eh, pour l'instant, on enchaîne bien, là. Franchement, elle est validée, mais de chez validée. Franchement, ils nous ont fait une classe de malade. Vous allez voir, j'ai changé juste un tout petit accessoire. De toute façon, on verra la classe à la fin. Enfin, on verra la classe à la fin si je gagne, hein, franchement. Ça serait con de vous montrer une game où je ne gagne pas. Pour l'instant, on est bien parti, on est premier, on a un petit peu de kill à rapport au deuxième, c'est bien. Hop. On continue. Je te vois. Eh, vous avez vu le petit point rouge, franchement? Ça, c'est vraiment un truc à mettre. Dommage. Non, il était derrière. Hop, allez, est-ce que ça va réapparaître derrière? Non, personne ici. On va faire le tour. Ah, attends, on voit un point rouge. Il y a un point rouge derrière, là. On va aller le chercher. Viens ici. T'en vas pas. Viens là. Je te vois. Ouh. Attends, il y en a un deuxième. Eh oui, mesdames et messieurs, il y en a un deuxième. Bon, allez, 23. Dommage. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, on continue, on rush. Bon, moi, vous savez, je suis vraiment pas campeur. Hein. Je cours comme un lapin. Je cours même un peu trop, je pense. Hein. Je suis un peu bourrin sur les bords, mais bon, c'est pas grave. C'est mon style de jeu. Allez, on est à combien? 24 kills. Ok, ça, c'est pas mal. Allez, 25. Là, il y avait plus de son. Ok. Je te vois aussi. Allez, super. Allez, encore 4 kills et puis on aura gagné la game. Franchement, pour l'instant, ça va. On a une bonne avance sur le deuxième. Allez, hop, viens là. Ouh. Allez, toi, t'es mort. Allez, un deuxième. Oui. Allez, c'est bien parti. Allez, encore deux, les gars. Dommage. Bon, allez, tu sais quoi, on va aller se venger sur lui. Attends, viens là. Allez, viens ici. Bon, c'est quoi, je t'envoie ça. Je vais les retourner derrière, voir s'il y a du monde. Ah, on fait un petit peu de dégâts, hein. Allez, il y a bien un gars qui va arriver. Attends, ici. Ok. Ah. Bon, allez, encore un kill. Ah, tu sais quoi, on est dans le coin, on va aller se venger. Allez, viens là. Attends, je le vois. Non. Attends, on va faire le tour. Allez, c'est le dernier. Hop, allez. Eh oui, c'est une victoire, les amis. Franchement, ça fait plaisir. 32 éliminations, 14 morts. Franchement, eh, ça va, on avait 11 éliminations d'avance sur le deuxième. Franchement, ça fait plaisir. Eh, franchement, l'arme est vraiment, vraiment validée. Là, on regarde la petite kick-out finale. Ah, eh, franchement, elle est excellente. Hein. Ça fait trop stylé en plus avec les petits lasers et tout partout là. 2,29 de ratio, c'est très bien. Franchement, ça va. Franchement, eh, vous savez quoi? Bon, trêve de blabla, on va aller voir directement ce que Call of nous a mis sur cette arme. Ok les amis, donc on est parti dans l'armurerie pour voir l'automate, donc ils l'ont appelé générateur de vapeur, franchement, elle est dispo dans la boutique, hein. Vous allez sur l'arme et puis après vous allez directement voir dans la boutique, franchement, vous allez voir, elle est excellente, franchement, hein. Vous avez vu le gameplay, franchement, je la trouve super. Bon, alors, on commence avec, déjà, ils nous ont mis un petit silencieux MX, franchement, c'est validé parce que c'est très très bien, c'est exactement ce que j'aurais mis. Bon, on y perd un petit peu en temps de visée, mais bon, vous inquiétez pas, on va aller voir ça juste après, ça va être excellent. Au niveau du canon, on met le ZAC 600 mm BFA, hein, ok. Donc là, contrôle du recul horizontal plus 70%, ça c'est excellent. Et contrôle de l'oscillation. Au niveau de la lunette, celle-là, franchement, elle est très très validée. Hein. La G16 2.5, franchement, moi en général, c'est soit la mire, soit le réflecteur ardoise, soit celle-là. Franchement, ça fait partie des trois. Vous pouvez y aller sans problème. Au niveau de la crosse, vous mettez la ZAC squelettique. Donc là, c'est surtout pour un meilleur contrôle du recul horizontal et vertical. Ça c'est vraiment excellent. Puis bon, vitesse de marche en visant. Franchement, c'est excellent. Donc mettez ça, vous allez voir, pour cette arme là c'est excellent, vous allez avoir une superbe précision. Au niveau de la compétence, eux ils ont mis frénésie. Bon, moi je l'ai pas changé. Bon, honnêtement, c'est pas ce que je préfère mettre, donc on va aller mettre donc moi en général j'aime bien mettre retour de passe-passe, donc ça on va le changer directement. Au niveau du kit, donc on met chargé à bloc, ça c'est très très bien. Au niveau de la poignée, on laisse la poignée cuir, donc là c'est pour gagner du temps de visée, vous savez, on en avait perdu un petit peu avant, donc là on met celle-là. Moi en général j'aime bien aussi mettre la poignée polymère, hein, pour un meilleur contrôle du recul horizontal et vertical. Mais franchement la poignée cuir elle est très très bien aussi, hein. on y gagne au niveau du temps de visée, donc ça aussi c'est validé, allez-y sans problème. Au niveau du chargeur, bon bah celui-là du coup on va mettre le troisième, parce que vous voyez, si jamais on met les autres, ça dénature complètement la gueule de l'arme. Donc là laissez la troisième, franchement elle est très très bien, elle a une grosse capacité.
Franchement, bon, elle est un petit peu lente à recharger, donc quand c'est comme ça, bah, vous switchez sur votre arme secondaire. Autrement, bon, capacité du chargeur 75, bon, c'est excellent au niveau des munitions de départ et de la capacité du chargeur. Donc bon, en plus, c'est ce qui va avec l'arme. Franchement, si jamais on change, ça dénature complètement l'arme, donc c'est dégueulasse. Au niveau des balles, bon, bah là, c'est très très bien. Ils nous ont mis les balles allongées, de toute façon, c'est ce que je mets. Et au niveau de l'accessoire de canon, moi, je mets le marque squelettique, parce que eux, de base, ils mettent baïonnette. Franchement, j'aime pas trop. Bon, je vois pas trop l'intérêt de la baïonnette. Vous voyez, on y perd au niveau du temps de visée. Donc, moi, je préfère quand même laisser la marque. Il y a le bipied aussi. Vous voyez, à chaque fois, ça change pas trop le look de l'arme. Mais bon, ouais, franchement, là, pour le coup, c'est pas un truc qui se voit énormément sur l'arme. Donc, moi, je vous conseille réellement le marque 4 squelettique parce que c'est vraiment ce qu'il faut à cette arme. Vous gagnez au niveau du temps de visée et c'est vraiment excellent. Et regardez-moi ça, franchement, vous avez du vert partout. Hein, là, vous pouvez regarder en bas à gauche, vous avez du vert partout, c'est excellent. Elle est ultra rapide, ultra fun à jouer, donc franchement, j'espère que cette petite classe vous aura plu. Et là, ici, bon, je voulais pas montrer, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez que je fasse une petite vidéo aussi sur la MP40 avec le camouflage bleu comme ça, franchement, il est superbe. C'était l'un des premiers qu'il y avait. Au début, le camouflage, il n'était pas top, et puis après, ils l'ont grave amélioré, donc franchement, je la trouve superbe. Enfin bon, ça, on verra ça pour une prochaine vidéo. Eh, franchement, elle est vraiment excellente, hein. Franchement, je kiffe cette arme. Sérieusement, ça change un petit peu, franchement, c'est futuriste et tout ça, c'est excellent. En tout cas, si jamais t'es pas abonné, mon ami, je le redis encore une fois, désolé, hein. Mais si jamais t'es pas abonné, bah, hésite pas à t'abonner, mon ami, c'est complètement gratuit. En plus, on fait plein de concours. D'ailleurs, je précise aux gagnants des concours Fortnite, pour l'instant, on avait tiré 3 gagnants, il n'y en a qu'un seul à qui on l'a envoyé, donc les deux autres, manifestez-vous, parce qu'autrement, on sera obligé de refaire un tirage au sort pour faire gagner. Deux autres personnes, donc n'hésitez pas à vous savez quoi, je vous le mets là, hein. je vous le mets là, et puis je vous mets aussi le résultat du concours. Donc pour les gagnants, n'hésitez pas à vous manifester pour qu'on puisse vous les envoyer, et puis voilà, hein. En attendant aussi, si jamais tu peux mettre un petit pouce bleu, franchement ça fait super plaisir, et puis je vous dis à la prochaine fois, allez ciao.